Bouclier, il m'en faut aussi là-haut. Hop. C'est vrai que je fortifie peu les collines, mais je me rends compte que je les fortifie beaucoup trop d'habitude, donc j'ai arrêté de fortifier autant que d'habitude. Par contre, l'artillerie va toujours en avoir un petit paquet sur les hauteurs. Ça, vous n'y dérogerez pas. Remplissez votre objectif aussi vite que possible. Dostia terminé. L'artillerie a quand même beaucoup d'utilité. Artillerie, bon, on va éviter d'en mettre une. Point de défense. 3 là, 3 là. 2 ici, 2 là. Les objectifs ont été remplis. Préparez-vous au rappel. On va vous tirer de ce caillou. Ah, par contre, on va prendre cher. J'ai un problème. La commande de rappel est inopérante. QG, vous pouvez confirmer? Faites-moi un diagnostic de la porte de retour. QG, répondez, QG. J'ai mon armée qui est pas encore prête, en fait. Nous avons perdu tout contact avec le centre de commandement. Et nous ne pouvons pas activer le rappel. Attendez, je détecte quelque chose à l'ouest. On dirait un champ de brouillage. C'est certainement ça qui nous empêche de contacter le QG. Trouvez et détruisez le dispositif de brouillage. Terminé. Commandeur, d'autres dispositifs de brouillage perturbent le champ quantique et nous empêchent d'activer le rappel ou de recevoir de l'aide. Détruisez les brouilleurs qui empêchent nos communications. J'ai plus de radar, tu fais que j'ai rasé ou neutralisation des distorsions quantiques. Dostia terminé. Bon. Un éclaireur Séraphim vient de passer au-dessus de moi. Ils savent où je suis et ne tarderont pas à attaquer. C'est vrai que mes troupes sont assez puissantes. Normalement, j'aurais pu retenir au choc initial étant donné que toutes mes défenses terrestres sont déjà en état. Elle va prendre par contre ultra cher. Il y a une partie des défenses qui ont sauté. Bon, pas grave, ça va aller, je tiendrai bon. Déployer l'artillerie, tout ira mieux. Moi, ça route un peu de change, quoi. Ça doit être trop simple. Donc, n'oubliez jamais ceci quand vous construisez. Quand mettant en place vos défenses, n'oubliez jamais d'anticiper le moment où l'ennemi va attaquer, de toujours prévoir un peu tout. Là, ils ont de l'artillerie lourde, seulement être contré de l'artillerie lourde, c'est d'avoir soi-même de l'artillerie ou d'avoir des unités RN adaptées pour ça. Éventreur d'âme avec les cibrans ou artillerie, donc vous pouvez avoir de l'artillerie. Ma position de défense sud a morflé, ça j'ai pas gagné. Mais c'est normal.
toute façon, si vos positions de défense sont construites avant d'avoir terminé de tout installer, généralement elles vont sauter. Sexy et sexy. Là j'ai un gros trou à gauche, pensez, enfin à droite. Bon, il est temps de construire mon armée. Oui, je sais, je construis quelques prototypes, mais bon, j'ai les ressources. Alors, téléporteur personnel. Ici, les ensembles d'ingénierie. On va améliorer l'intégralité de nos UBC de soutien au principe. Enfin, UBC normalement c'est la réserve pour le commandeur principal. Donc de nos UBC de soutien. Ah, c'est Martyri qui me parfois aligne moi-même et. Ça me surprend pas d'ailleurs. Alors, à savoir qu'il n'y a pas eu d'aviation. Ce qui peut surprendre, c'est que si vous avez. Avant la suite, beaucoup d'unités aériennes, vous allez vous taper une immense vague d'aviation adverse qui va venir essayer de vous éraser. Non, si vous avez des tsars, des bombardiers expérimentaux, tout ça, il faudra vous préparer à absorber un gros choc. Ah bah voilà des appareils aériens, des chasseurs, je dirais. Cette artillerie là nous tire plutôt dessus qu'elle nous tire sur les lignes. On va repositionner ici. Et ici on va repositionner des têtes de défense. Alors vraiment bien faire en sorte qu'elle soit collée à la falaise. Ah, donc eux ils ont presque fini, il reste plus qu'à mettre leur bouclier personnel. Je conseille de mettre unique sur les commandeurs, je conseille de mettre que le bouclier de soutien personnel et pas le second. Parce que le second a un effet de zone, je vais vous montrer ici. Il est plus résistant certes, mais il a maintenant une résistance de zone. Ce qui veut dire qu'il ne va pas protéger que votre UBC, mais vous aussi protéger les troupes aux alentours. Le souci, c'est qu'il va aussi absorber des tirs qui ne sont peut-être pas destinés à lui. Et donc endommager son bouclier. Puis il a pile tenu ce qu'il fallait. Détruisez le brouilleur. Il faut rétablir le contact avec le centre de commandement. Et quant à eux, alors c'est lui le principal. Alors là, je refais exactement ce que j'ai fait dans ma partie qui a planté. J'aurais fait une immense armée. Et vous allez voir qu'en fait les deux sont le Ghost Galactique et le prototype, enfin les deux robots d'assaut
sont assez similaires. La différence c'est que Chaos concentre uniquement un laser principal, alors que l'autre concentre plusieurs armements. Dans ses bras notamment. Après je pense aussi une adaptation à la technologie des Séraphines à celle des Ion. J'ai perdu les têtes de défense là. Voilà. Alors je sais, ça fait beaucoup de troupes, mais il faut savoir que même si vous abusez des prototypes, un prototype n'est pas l'arme ultime. Là, vous, contre l'IA, ça marche bien, parce que l'IA, lui, va continuer à faire un peu tout type d'unité, tech 1, tech 2, tech 3. Contre un vrai joueur, ça passera un peu moins, parce que déjà, pour construire ton prototype, regardez le temps de jeu qu'il aurait fallu. C'est vrai qu'avec les Séraphines, c'est facilement. Avec les Ions, c'est facile de faire un roue compresseur. Ça, je peux pas gagner. Mais bon. Oh, on va construire des sorts. Allez, on va bouger maintenant mes armées. 4 unités au sud. Quatre unités ici. 4 unités ici. 4 unités ici. Bon, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, les Ions, ce qui les rend fumés, c'est le fait qu'on ait le paragon, on peut l'avoir si vite, quoi. J'ai défendu. Bon, je compte un IA, donc c'est facile de défendre, parce qu'il n'y avait pas toute la map ouverte, etc. Vite ! Les Séraphines peuvent attaquer à tout instant. Mais même. C'est tellement fort, ça, d'avoir des ressources illimitées, c'est tellement fumé. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pour ça que les Ions en multi, c'est indispensable. Il faut un par équipe. Que en late game, si vous n'avez pas d'Ion, vous aurez un... Vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner sans Ion. Je dis pas que vous pouvez pas gagner sans. Le souci, c'est qu'en late game, quand vous êtes à 500 de pop contre 500 de pop, quelqu'un qui a par exemple 200 bâtiments, par exemple 100 bâtiments de ressources, et vous en avez un. Voilà où est toute la différence. 1, 2, 3, je ne sais combien. Bien sûr, si je commence à déployer déjà les prototypes là, ça va pas être la même. Bon, les tsars vont, je vais les envoyer me faire un petit massacre. J'ai un visuel sur le dispositif. C'est impossible. On dirait l'un des prototypes conçus par le docteur Brockman. Détruisez-le. Il faut absolument communiquer avec le QG. Dostia, terminé. Seule une espèce peut atteindre la perfection. Bon, si je perds des sorts, c'est pas grave. De toute façon, c'était un peu le but de cet assaut. Hein. Tout le monde va l'aider, celui-ci, et je vais construire plein de bombardiers expérimentaux. Voilà, j'ai dû perdre, je crois, deux tsars ou un tsar, j'ai pas vu. Un seul. Bon, bah. Mon assaut a porté ses fruits. J'ai rasé
toutes les usines terrestres. J'ai rasé le terrain. Voilà, on sait où sont passés les tsars, je pense. De toute façon, généralement, les tsars, vous savez où ils passent, parce que... Soit il y a une montagne de tsars posée à un endroit qu'on vous avait un peu oublié. Là, vont monter là-haut. C'est sûr qu'ils vont pas monter en bas aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Ce qui va rester ici, il va me faire un tsar, mon commandeur de soutien, enfin mon commandeur principal. Et voilà. Bon, j'admets que j'ai peut-être un peu abusé. Détruisez le brouilleur! Il faut rétablir le contact avec le centre de commandement. Donc à droite, ce sera bon. Voilà. Voilà, allez. Avec tous ces bombardiers expérimentaux, on va raser le brouilleur. Ils soutiennent lequel? Celui-ci. Donc celui-ci va encore m'en construire. Allez, on rase ce truc. Il y a déjà plus grand chose déjà à cause de toutes mes bombes que j'ai rasées. Le dispositif est détruit. Dostia au QG, répondez. Il y a au moins deux sillages quantiques, il faut... Les Séraphim ont un dispositif de brouillage qui nous empêche de déclencher le rappel. Il est hors de notre zone opérationnelle. Vous devez trouver une contre-mesure. Accrochez-vous, nous vous sortirons de là dès que possible. Informez le général Hall que nous avons été trahis. Ce brouilleur a été conçu à partir d'un prototype top secret créé par le docteur Brackman. Oh non! Des centaines d'unités ennemies arrivent sur moi! Sortez-nous de là, QG! Zone d'opération élargie. Commandeur d'élite, quel est votre statut? Je suis submergé! Mes défenses cèdent. J'ai un visuel sur une UVC, mais elle n'est pas Séraphim. Elle est Cybran. C'est de la folie de s'opposer au maître d'Ostia. Vous allez payer pour votre insolence. Exarek. J'aurais dû me douter que si quelqu'un pouvait trahir notre père bien-aimé, ça serait vous. Je vais vous faire avaler vos insultes. Adieu, Ostia. Ah, je suis attaqué de tous les côtés. Ils sont trop nombreux. Bien trop nombreux. Commandeur d'élite, vous me recevez? Commandeur, il reste des unités ennemies qui se dirigent vers vous. Tenez votre position jusqu'à ce qu'on puisse vous rappeler que j'ai terminé. Alors, j'ai juste... faire une sauvegarde, ouais, ça me dérange pas d'appeler comme ça ma sauvegarde. Faire une pause d'enregistrement. Au cas où, si j'ai un nouveau imprise dans mon ordi, que je recommence pas tout. Je préfère anticiper. Donc voilà, ouais, j'ai anticipé. La fureur grandit de jour en jour. Surprenant.
est rentré, champion. Pour venger la mort de Dostia et détruire les Séraphim une bonne fois pour toutes. Risa, terminé. Ce n'est que maintenant que vous appréhendez votre situation. Nous savons ce que vous savez, nous voyons ce que vous voyez. Vous ne pouvez rien contre nous. L'Antinix ! La fin de l'humanité approche. Nous vous exterminerons. Champion, les loyalistes ont mis la main sur quelques codes de sécurité, ça. Si vous capturez un radar Séraphim, nous pourrons utiliser les codes pour ordonner aux défenses Séraphim de s'autodétruire. Capturez le radar comme vous l'entendez. Risa, terminé. Bientôt, le maître dominera tous les Cybrans. Ils se prosterneront devant lui. Risa demande le déploiement de l'artillerie Rédemption. C'est un système de tir rapide qui tapisse une zone de petits obus. QG est terminé. Artillerie d'emption est une artillerie assez puissante. Enfin, assez puissante. Elle fait énormément de dégâts de zone. Elle fait beaucoup de spread zone. Bon, là, par contre, nous, moi, je vais m'amuser, par contre, à raser un peu tout. Parfait. Attaquez-les pendant que leurs défenses sont désorganisées. Risa terminée. C'est une artillerie ultra puissante. Enfin, ultra puissante. Qui fait énormément de dégâts de zone, je m'explique. L'artillerie lourde standard, donc je prends mon commandant, va tirer une cadence assez lente mais qui fait beaucoup de dégâts. L'artillerie attention a une cadence de tir une cadence rapide de tir, donc va tirer beaucoup plus rapidement qu'une artillerie lourde. Mais il va en plus faire beaucoup de dégâts de zone. Cependant les dégâts vont être beaucoup plus légers qu'une artillerie lourde, du fait que c'est des petits obus. Cependant, les deux sont aussi puissantes. Hein. Les deux ont leur utilité contre quelqu'un qui fait beaucoup de troupes, notamment au sol. Beaucoup de troupes de hors prototype, c'est ultra efficace. Pour quelqu'un qui fait énormément de prototypes, c'est moins efficace au niveau d'artillerie lourde en fait. Tout dépend de ce qui vous sort en face. Donc à vous, là par contre ça sera à vous de voir, là j'accélère le mouvement en détruisant toutes les bases, on peut terminer la partie plus rapidement, donc c'est ce que je vais faire. J'aurais fait plus que survivre je pense. Voilà. Et voilà, bon, c'est pas grave pour les cinématiques. Ma chère Dostia est morte, abattue par l'un des nôtres. Je suis sans voix, mon petit, sans voix. Nous approchons de la victoire, et pourtant des êtres qui nous sont proches sont capables de nous trahir. Nous devons nous occuper de l'IAQ. Ah oui, et de X5. Certains crimes sont impardonnables. Vous savez quoi faire. Voilà, c'est ainsi que nous terminons la quatrième mission avec les Aeons. On passerait dur en soi. Je vous ai montré comment bien la faire. Perte. Pas du tout expérimental. Voilà, j'espère en tout cas de passer un grand moment en ma compagnie. Vous appréciez cette troisième vidéo sur la mission 4 avec les Aeons, cette fois-ci. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien. Et à tuer à tout le monde, à commencer à regarder cette vidéo en ma compagnie.